France. Mais face à des statistiques du chômage qui sont mauvaises. Alors, par rapport aux statistiques du chômage, vous soulevez la situation économique. La situation économique, où on voit ces derniers mois, ces dernières semaines, toutes les difficultés pour le taux de chômage qui augmente. Nous avons mis en place une cellule de suivi économique et financier, avec un comité de suivi aussi mensuel avec l'ensemble des acteurs du département. Et nous essayons de trouver à chaque problématique qui nous semble préoccupante pour le département, que ce soit dans le domaine agriculture, que ce soit dans le domaine activité céramique, où il nous semble que c'est important de mettre autour de la table toutes les problématiques qui sont repérées et de, à partir de celles-là, d'essayer de trouver des solutions pour empêcher les situations difficiles ou pour accompagner les entreprises en difficulté et les personnes qui sont en difficulté. Par rapport à l'emploi, que peut-on faire? Je travaillais tout dernièrement avec les responsables du Pôle emploi, avec le directeur régional du travail de l'emploi et la directrice départementale, en essayant de regarder tous les outils, toutes les aides que l'on peut leur apporter et d'essayer d'imaginer ce qu'on peut faire pour les jeunes. La problématique, bien sûr, il y a des personnes qui perdent leur emploi, mais ma préoccupation dans ce département, c'est le chômage des jeunes et les jeunes qui sont de plus en plus au chômage, là, tout dernièrement. Avec une problématique particulière par rapport à l'emploi saisonnier, par rapport à la dimension montagne. Oui, alors ici, voilà. Dans ce département, oui. C'est vrai qu'on a beaucoup d'activités saisonnières, que ce soit par rapport au domaine ski, oui. Au domaine station de ski, ou domaine aussi à Lourdes, par rapport à l'activité touristique de ce département. Mais tous ces jeunes, il nous faut essayer de trouver des solutions pour qu'à l'issue de leurs études, ils aient vite une activité dans une entreprise ou chez un artisan. Et ça, c'est un souci. Et nous essayons de trouver toutes les structures, tous les outils qui vont nous permettre d'y répondre dans ce département. Mobiliser, en quelque sorte. Mobiliser. En dehors de cela, vous ne pouvez pas donner du travail à tout le monde. Non, mais nous sommes là pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de trouver ou des acteurs qui peuvent trouver ou un stage, de trouver une activité, trouver un contrat, de trouver une activité qui permette à ces jeunes de rentrer dans le monde professionnel.